Salut les potes, bien le bonjour ou le bonsoir, c'est pas à quelle heure que vous regardez la petite vidéo. Je vous rappelle qu'on est le 30 août et du coup, ce matin, il y a eu une mise à jour, comme vous savez. Du coup, la 21.50, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, on a un nouvel custom. Je vous l'avais dit, je crois, il y a plusieurs vidéos de boutique. Si j'ai même regardé toutes les boutiques de boutique, quand ces skins étaient revenus en boutique, j'avais dit que la mise à jour qui arrivera le 30, ils auront une nouvelle custom. J'avais raison. Du coup, voilà, la nouvelle custom du coup pour le skin Echo. Donc si vous posez le skin Echo, en plus il va trop bien avec mon sac à dos. Donc voilà, vous avez une custom. La première, c'est sous en mode primatique. Vous avez celle-ci aussi en mode spectral. En vrai, c'est quand même stylé, hein. Je pense que tous les joueurs comme moi qui ont des skins, ils voulaient la rejouer avec. Voici le sac à dos. Le suivant. Ah, c'est badass, c'est badass. Et pour tous ceux comme moi qui ont fait du coup les... Comment dire, l'arène. Moi personnellement, j'ai que l'aérosol qui m'a intéressé. Donc j'ai joué juste pour avoir l'aérosol. Les émoticônes, ça m'intéresse pas spécialement. Faut être un champion, tout ça, puis j'avais pas trop le temps. Moi j'avais juste rush pour avoir mes 400 points. Juste pour pouvoir avoir ce petit aérosol. Donc si vous l'avez vous aussi fait l'arène, 0 construction et est au moins division 2, vous avez du coup l'aérosol comme moi. Si vous avez eu le courage de faire plus, moi vous avez sûrement plus à mon avis. Moi les émoticônes, je m'en fous un petit peu. Je n'ai pas rush toute ma vie pour pouvoir faire ça. Je voulais juste l'aérosol qui lui m'intéressait plus. Voilà. Du coup, ça fait plaisir. D'ailleurs, normalement, pour ceux qui ne savent pas, les gars, il y a aussi des quêtes spéciales. Du coup, qui arrivaient. Je me suis douté qu'il y aurait des défis spéciaux. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques jours, je regarde toujours les défis quand ils arrivent, etc. Et j'ai dit, c'est bizarre. Les défis relax, c'est dans une semaine, genre la semaine suivante. Donc, ça me dit, en connaissant Epic Games. Ça veut dire qu'il y a des défis qui vont arriver jeudi, ce mardi-là à la place de relax. Et voilà les défis qui vont à la place de relax. Utiliser une bulle protectrice dans 4 parties différentes. Adversaire vis d'assaut, machin, truc, bien sûr. Rester camouflé pendant 10 secondes avec une seule bombe ténébreuse. Et obtenir un pistolet mitrailleur silencieux. Et un fusil d'assaut. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont remis ça en jeu. D'ailleurs, ça a changé cet endroit-là. J'ai hâte de voir sur la carte, j'ai pas encore été voir. Du coup, pour ça, c'est difficile quotidien, on s'en fout. Ça, c'est des quêtes, du coup, spéciales également. Pour avoir des petites récompenses qui sont ici présentes. Donc, du coup, vous allez accomplir les quêtes en plusieurs modes. Donc, voilà, je pense que c'est pas trop difficile. Les modes, je les ai pas encore essayés, mais... voilà, je vous montre à part tous les modes qu'il y a. Il y en a quand même beaucoup, les gars. J'espère que c'est des modes pas cheatés. On verra bien. Et du coup, voilà. C'est les deux petits modes. Donc, les quêtes jouées à votre façon. Dans les modes spéciales. Pour avoir des petites récompenses gratuites. J'adore les récompenses, moi. Et du coup, vous avez également les quêtes, du coup, de Semaine de l'Ombre. En plus, un rapport indirect du skin, que si vous avez ce skin-là, sachez que c'est le skin Spectre, c'est lui. Et du coup, la semaine prochaine, vous aurez du coup accès à cette custom-là. Là, pour ceux qui se possèdent, vous avez la pioche version rouge, du coup, qui arrivera jeudi. Bref, cherchez les petits potes, moi, je vous laisse. Je n'oublie pas le petit pouce bleu de vous abonner. Très important, si vous voulez revoir mes lives que je ferai prochainement. J'envisage de faire un live normalement sur les Sims 4. Du coup, j'ai acheté il y a quelques semaines le loup-garou. Donc, si vous aimez l'univers magique, surnaturel, peut-être que le live pourrait vous plaire. Si vous êtes voyé les Sims, encore mieux. Bref, à la prochaine, les petits potes. Ciao, bye!